Juste avant la fête. Je suis Isrou Hag, mais bon, c'est pourquoi ça s'appelle Isrou Hag? Isrou. Ouais. Isour. Bon? Lié. Ouais. Non, mais pourquoi tous les interdits de la Torah, c'est Isour? Le Rav Shapira, il dit pourquoi? Dans la Torah, c'est pas marqué Isour, c'est marqué lave. L'eau. C'est intéressant, et bon, c'était trop Ouais, nouveau c'est pour moi. très intéressant, ça, ouais. C'est Isour, c'est quelque chose que les Rachamim C'est-à-dire que ont. le lave n'est que la conséquence parce que tu es assourd, tu es sans doute lié à quelque chose, et comme conséquence, parce que tu es lié à une chose particulière, alors de là découlent certains interdits. Voilà, alors, et moutarde, c'est incroyable, je ne savais pas que moutard et assour, c'est les Rachamim qui ont inventé ce terme. C'est pas délié et lié. Isrouchag. Bah écoute, tu as du boulot alors. Ouais. Mais c'est un sourd qui est vocal, hein, qui n'est pas écrit. Hein. Si, il est écrit, si tu veux, je te l'envoie, je peux te Oui, l'envoyer. s'il te plaît, Mais ça m'intéresse. il n'est pas écrit entièrement parce que c'est brave. C'est Rav Cicero. Rav Cicero, il n'a pas comme chita de faire du mot à mot. D'accord, mais Il donne les idées. Bon, c'est presque du mot à mot. très bien, avec plaisir. Ah, c'est nouveau hein, pour moi. C'est un nouvel Très bien. truc. Voilà. Allez, je coupe mon micro, hein. Ouais, ok. Ben on va commencer peut-être. Hein. On Tu va pouvoir. peux couper les micros? Ouais, non, mais ça va pour l'instant, ça va, hein. Il y a quelqu'un qui parle. Ouais, mais ça on peut couper là. Voilà. On peut, ouais. Non, mais ça va, moi j'aimerais bien que les gens participent, hein. Voilà. Alors, on peut commencer, je crois, hein. Non, mais moi j'aurais dit que qu'on garde les micros ouverts, puis voilà, si comme ça si on veut intervenir avec plaisir, hein. Allez, bravo. Ok, alors Shabbat Tov, bonsoir, bonjour tout le Shabbat. monde. On va. Alors c'est un shiur de sur Shavuot, mais en vérité c'est à voir de manière générale, c'est la vision des mitzvot, la vision. Donc c'est jamais c'est quand même sympathique de le revoir même si Shavuot est passé. Voilà. Et donc la problématique commence avec un texte. Bon, c'est le texte de la Torah. Hein, c'est si on regarde les parachotes, vous savez qu'il y a les P et les Samer. Il y a les P qui sont des ouvertures blanches. Sur le Sefer Torah, on laisse la ligne ouverte, Parasha Petucha. Et le Samer, c'est Parasha Stouma. On laisse un blanc pour le Sofer, mais on laisse un blanc de trois mots, d'accord? Mais ça fait 9 lettres, mais on continue la ligne. C'est-à-dire qu'on change de sujet. Hein, on sait que ça a été donné au Sinaï, les différences au niveau de Parasha Ptoucha et au Parasha Stouma, ça a été donné au Sinaï. Ça veut dire que quand on passe à une Parasha Ptoucha, c'est donc un nouveau sujet. C'est vraiment un grand nouveau sujet. Alors que Stouma, c'est un autre sujet, mais qui est quand même lié, on va dire, un petit peu avec le sujet d'avant. Alors, dans la paracha des fêtes, je vous lis dans le paracha de Hémor, hein, voilà, c'est marqué comme ça dans Vayikra, Kaf Gimel, Moadam, voici les fêtes, Harishon, Barbarasar le ou Pessah la chaîne, donc on parle de Pessah, ça c'est la première paracha. Pasuk Tet, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Beni Israël, Marta lehem, Kitavu el Aretz, Asherani Noten lachem, Uktsartem et Kitsira, Vevetem et Omer. On parle du Omer, du Korban à Omer. Vous connaissez ce Korban qu'on apporte le lendemain, le 16 d'Issan. On apporte un Korban qui nous permet donc c'est un Korban, un sacrifice d'orge, qui nous permet de consommer la nouvelle récolte d'orge. Et donc, ça, c'est la deuxième paracha. Donc, première paracha, Pessah. Deuxième paracha, Korban Haomer. Troisième paracha, il y a deux sujets. Usvartem lachem, mimachorata Shabbat. Je l'ai fluoté en jaune. Vous compterez, c'est la mitzvah de compter le Haomer, c'est-à-dire Sheva Shabbatot et Mimot, 7 semaines. An mimachorata Shabbat Hashivirit, Tisperu Chamishimyom. Veikravtem mincha Hadasha Lachem. Et vous apporterez le Korban de Shavuot.
Et finalement, dans la même paracha, il y a deux sujets. Le conte du Homer, Shavuot. Et la question qu'on peut se poser, je l'ai marqué, pourquoi la paracha de Shavuot est-elle juxtaposée à la paracha du conte du Homer, alors que l'on se serait attendu à retrouver le conte du Homer à côté du sacrifice du Homer, la paracha précédente? La question est simple. Donc, ça veut dire qu'il y a trois parachotes. Première paracha, Pessah. Deuxième paracha, Corban à Homer, le Corban, le sacrifice de l'orge. Troisième paracha, deux sujets, le conte du Homer et Shavuot. Ça ne va pas. Pourquoi c'est écrit de cette manière? On aurait dû mettre le conte du Homer avec la paracha d'avant qui parle du sacrifice du Homer. Ça aurait été plus logique. Et voilà, si vous avez, moi j'aime bien qu'on intervienne. Hein. Alors si vous avez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Michel? Oui, j'écoute Michel. Pour parler de quelque chose, il faut voir à quel moment a lieu la chose. Donc pour moi, c'est une suite continue. Il faut qu'on ait fini de compter le Homer pour pouvoir parler de la Mincha. De la Mincha de Shavuot, de la fête, oui, de Shavuot. Donc tu es en train de dire, que la fête de Shavuot est liée complètement au conte du Homer. C'est quand même, c'est pas mal comme ça serait une bonne piste, mais ça serait quand même un chidouche. C'est une nouveauté de dire que ça dépend. C'est la même paracha. C'est quand même bizarre, quoi. C'est la même paracha. Si on veut présenter la fête de Shavuot, on est obligé de passer par le conte du Homer. Chazak, mais il va falloir étayer ça. Même pour la raison que tu as expliquée dans le Shabbat Shalom, en fait, il n'y a pas de date définie parce que ça dépendait du Nolad. Et donc, il faut quand même qu'on nous dise que voilà, ça va arriver. Oui, Chazak, c'est dans ce sens-là qu'on va finalement aboutir. C'est bien, d'accord. On avance. Deuxième question. Il y a trois fois marqué dans la Torah le mot Beyom Akahal. Trois fois. Donc ça c'est le Rav Shapira. Tout ça, ce shiur, c'est vraiment je l'ai tiré d'un shiur de Rav Shapira. Il dit il y a trois fois marqué. J'ai regardé effectivement avec l'USV Beyom Akahal trois fois. Il y a une fois marqué dans Parashat Ekev. Il y a marqué Vayiten. Je vous le lis le pasuk dans Parashat Ekev. Vayiten Hashem Elai et Sheni Luchot Ha'avanim. Donc Hachem m'a donné les deux tables de pierre, Ketuvim Be'etzva Elohim, qui sont écrites avec le doigt d'Hachem, Be'alem Kechol Advarim Asher Diber. Et sur ces tables sont écrites toutes les paroles que Hachem a parlé, Aimachem avec vous, il vous a parlé, Bahar, sur la montagne, Mitoraesh, dans le feu, Beyom Akaal, le jour du rassemblement. Deuxième fois, c'est la même paracha de Haïkev. Vayirtov al haluchot kamirta varishon. Il a écrit ce qui était écrit sur les premières luchot. Et aseret adevarim, les dix paroles. Asher diber Hashem alechem, qui vous a parlé. Bahar, sur la montagne. Mitoresh, beyom akal, la même chose, le jour du rassemblement. Vayitenem Hashem elai, et il me les a donnés. La troisième fois où il y a marqué la même expression, c'est Parashat Shoftim, dans Dvarim, Yutret, Tetzaïn, Kechol Ashercha Altamirim Hashem Elokecha Bachorev, tout ce que tu avais demandé à Hashem et ton Dieu, Bechorev, Beyom HaKahal, donc il s'agit de Shavuot, hein, encore une fois, les morts, hein, si vous voyez, c'est à chaque fois c'est Shavuot, quand on parle du jour de rassemblement, c'est Shavuot, les morts, Lo Osef Lishmoa, je ne peux pas compter. Le Osef, je ne peux pas continuer à écouter la voix d'Hachem, mon Dieu. J'ai peur de mourir. Là, vous connaissez, c'est que les Bnei Israël ont demandé d'avoir un intermédiaire. Donc la question qui se pose, c'est dans trois endroits dans la Torah, on trouve l'expression le jour du rassemblement qui parle de Shavuot. Et la question, c'est pourquoi seulement Shavuot est appelé ainsi alors que plusieurs fois le peuple s'est rassemblé sans que cette réunion porte cette appellation de Yom HaKahal.
C'est-à-dire, vous connaissez par exemple Vayakhel Moshe, il a rassemblé tous les bénis Israël, il leur a dit pour l'histoire du Mishkan, etc. Plusieurs fois, il les a rassemblés. Il y avait tout le monde qui était rassemblé, hein. Le Mitzvah de Hakel. Pourquoi l'appellation de Yom HaKahal, le jour du rassemblement, ça ne revient que sur le jour de Shavuot? Est-ce que la deuxième question est claire? Oui? C'est bon? On passe à la troisième question. D'accord? La troisième question, c'est une question que je m'étais posée il y a très longtemps. Franchement, j'étais content de voir que Rav Shapira, il avait... C'est les dix commandements. « Vaïdaber Elohim et kol adevarim ha'elel emor » Et Hachem a parlé toutes ces paroles en disant « Rashi, vous le connaissez, et kol adevarim ha'elel melamed she'amar ha'kadosh baruch hu aseret adibirot be'dibur echad » Hachem a dit toutes les paroles en une parole. « Mashiye efchar le'adam lomarken » Ce qu'un homme ne peut pas faire. Il ne peut pas dire « blog » Je sais pas moi, un mot et tac, il a tout dit. Non. Im ken matalmud lomar od anori. Ah, si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué après anori veloyé? Ah, c'est pour te dire chez Chazar ou Perash al kol dibour ve dibour bifnas. C'est pour te dire, là j'ai traduit le Rashi, pour te dire qu'il les a dit en détail, d'accord? Toutes ces paroles là. Donc la question c'est vaydaber Elokim et kol adevarim ha ele les morts. Donc la question c'est Pourquoi il y a marqué cette parole les morts en 10 ans, d'accord? Toutes ces paroles-là, en vérité, c'est sur le mot de Kol Advarimali. Ce que ça veut dire, toutes ces paroles-là, d'accord? Toutes ces paroles-là, ça veut dire qu'il les a dites toutes d'un coup, en un coup. Et les Raramis même disent dans un autre texte que l'oreille ne peut pas entendre. Donc, c'est une parole qui ne peut pas être dite par un homme et qui ne peut pas être entendue par un homme. Ça, c'était la première fois qu'il a dit les choses. Et Kol Adevarim, tout dit, il a tout dit. Tiens, de là, on dit pourquoi Kol Adevarim? Et on aurait dû dire Vaïdaber Elohim et Adevarim à Elé. Pourquoi il est marqué Kol Adevarim? C'est pour te dire qu'il a tout dit d'abord, en une parole. En une parole qui n'est pas une parole humaine. Et ensuite, il l'a dit de manière détaillée. Alors le Rav Shapira, il pose la question. À qui il a parlé? À qui il a parlé? Si c'est une parole que l'homme ne peut pas entendre et que l'homme ne peut pas parler, alors c'est quoi cette parole? Pourquoi il y a eu le don de la Torah? C'est de passer en deux temps, tout d'un seul coup. Ensuite, chaque parole, une par une. Quel est le sens de ce premier don de la Torah que l'oreille humaine ne peut pas comprendre et qu'une bouche humaine ne peut pas prononcer? À qui Hachem a-t-il parlé cette première fois en bloc? Ça veut dire, on sait très bien que Vaïdaber, c'est il a parlé. Quand on parle à quelqu'un. Il y a une différence entre parler et dire, même en français. Quand on dit je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, ça veut dire il faut que tu aies quelqu'un en face. Vaïdaber Elohim, il a dit à quelqu'un. Donc, si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin de dire toutes les paroles d'un coup? Ça sert à quoi? Puisque personne n'a compris. À la limite, même Moshe Rabbeinu n'a pas compris. On peut le dire. Même Moshe Rabbeinu n'a pas compris, même si lui était le plus grand des Chacham, etc. D'accord? Donc, voilà les trois questions. Ok? La troisième question, elle est claire? Ok. Alors, on avance un petit peu. Pour répondre à ces trois questions, alors on a besoin d'un autre texte, c'est dans la notion d'alliance, dans le don de la Torah. C'est que dans le texte de Dvarim, Perek Dalet, Pasuk Yud Gimel, Vayaged Lachem et Perito. Donc, je vous ai dit mon alliance. Asher Tziva Etrem, que je vous avais ordonné là, Aseret Adevarim. Donc, c'est les 10 paroles. Vayir Tevem Alchene Luchot Avanim. Donc, là, on parle des 10 paroles. Et on parle de 10 paroles en tant que Brit. On parle, tiens, il y a une notion nouvelle, c'est qu'on rentre dans un Brit, hein, on le savait, mais disons que il va falloir qu'on creuse un petit peu cette idée de Brit.
que ça veut dire une alliance. Alors, le Rav Shapira, chaque fois qu'on parle de Brit, il ramène ce Ramban, le Ramban dans Perek Vav, Pasuk Yutret. Val Derech Haemet. D'accord. Pour le dessouler, il faut boire de l'alcool. Des bons musulmans. Ouais, alors là, attendez, on va. Voilà. Non, c'est pas là. C'est là. Au revoir. Ok. Donc, ça veut dire que dans le Ramban, il dit que Brit, je vous lis le Ramban, dans le Brit, dans la parachate noire. Ve'alder ha'emet ha'berit merolam hi. Le Brit, c'est éternel. Ve'amila nixeret mina bereshit bara elokim. Le Ramban dit que ça vient de la même famille que bara. Ve'ine beriti kemo beriyati. Il y a un ridouche de ce Ramban. Bon, je ne vais pas tout le traduire parce que c'est quand même Derech Haemet, Derech HaKabbalah. Mais ce qu'on retient de là, c'est que c'est la même racine que Bara, Berit et Beriyat. C'est la même famille. Vamila Kemo Semoucha. C'est comme si c'était un Semoucha, ça veut dire que c'est un complément du nom. Berit, ça veut dire Briyat. C'est la création de. Ki Semoucha les Olamim, Shayou les Fanenu. Bon, là, c'est vraiment difficile à comprendre, on va dire. Ça a l'air d'être lié à l'Erolamim, à l'éternité. Donc, d'accord. Donc, juste, on ne va pas faire tout le Ramban, mais juste ce point-là, c'est que le mot Brit est de la racine Briat. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot Brit, c'est la racine Briat? C'est repris d'ailleurs dans le Rabbeinu Bechaye. Il reprend Bediouk, le Ramban. Abrit chez Netzelet Merolam ou Arachami, je vais voir les Rolami, j'ai au Minak. Il reprend le. Chez Minhaga Rolami. Les deux ont l'air de dire que quand on parle de Brit, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de Bria, qui a à voir avec la Bria d'Hachem. Alors, le Rav Shapira, il explique, ça veut dire que on parle pas d'une alliance. Quand on parle d'une alliance, ça a à voir avec une création, une nouvelle création. Il apporte un Rambam pour ça. Le Rambam, il dit que dans Yehod Yesodé à Torah, pour étayer cette idée de Brit, Vechol mi shenei marbo yarek vali avor, veneerak velu yavar, arezek kidesh et Hashem. C'est dans la mitzvah de Kiddush Hashem. Hein, quand on doit donner Razvei Shalom sa vie pour les trois fautes les plus graves, donc le fait de si on nous demande de se prosterner devant une statue, on doit donner sa vie. Si on doit si on nous demande de tuer quelqu'un d'autre, ou bien si Razvei Shalom demande à quelqu'un d'aller avec une autre femme, non, c'est on fait Kiddush Hashem. Vei maya ba'asara b'Israël, et si on fait cela devant 10 personnes, Arezé Kidesh et Hachem, Barabim. Ça s'appelle, on fait ça devant 10 personnes. Que Daniel, Hanania, Michel, Vahazaria. Rabbi Akiva, Vechaverav, comme ce que Rabbi Akiva ont fait pour donner leur vie, ils ont fait Kiddush Hachem. Veelouen, Arugé, Malchut, Sheen, Ma'alam. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle les 10 qui ont donné leur vie, hein. Arugé, Malchut. Veale, Neemar, qui a Alecha, Orag, Nukolayom, Venershav, etc. Veale, Neemar, Isfouli, Chasside, Korte, Beriti. Et là, le Rambam, il dit, c'est ça qui est marqué dans le Passouk, rassemblez-moi mes pieux serviteurs, comme aussi on peut dire, ceux qui ont contracté mon alliance par un sacrifice. De là, Rav Shapira, il dit que la notion de Brit, ça a à voir avec le fait de donner sa vie pour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Brit si... c'est pas une alliance de bons procédés quand on est en association avec dans un cabinet médical où je vais pas donner ma vie pour l'autre. Quand on parle de Brit dans la Torah, c'est Hachem qui fait un Brit avec quelqu'un. Et donc je suis prêt à donner ma vie pour l'autre. On cite un autre dans Malachi, Ve'eshet beritecha. C'est-à-dire que dans ce passouk, on voit que la femme est appelée la femme de monde de ton alliance. C'est-à-dire que l'alliance entre un homme et sa femme, c'est une alliance à la vie, à la mort, si on peut dire. Ça veut dire que
Il y a la vie qui est là-dedans. Ça veut dire que je ne peux pas envisager ma vie sans elle. C'est pas une association de... on n'est pas en train de parler... Rav Shapira dit que ce n'est pas comme une association entre des pays ou bien avec... Ou quand on s'associe entre deux associés dans un cabinet médical. Ce n'est pas de ça, puisqu'on ne donne pas sa vie. On parle d'une bride quand il y a une bria, quand il y a une nouvelle création de ma personne. Moi, je renais, puisque maintenant, je suis une nouvelle... Qui dit brite, dit bria. C'est-à-dire, qui dit alliance, dit création nouvelle chez moi. Ça veut dire, je ne peux pas envisager ma vie en dehors de cette alliance. Comme ça, il le dit clairement. Kol kishure brite, j'ai recopié un petit peu des morceaux de ce que Rav Shapira dit. Kol kishure brite, ben chitsonim, al marase mesuyam, leolam lo ikare brite. On ne parle pas que des liens, on va dire, extérieurs, superficiels entre... sur quelque chose, ça ne s'appelle pas une alliance. Machina fut sayom et les dverim betelim, de ce dont on parle maintenant d'alliance, de bon, il faut qu'on s'associe, etc. Ça ne s'appelle pas une brite. En britot, elle est britot, ka elle est chez mecha berot et tsemakium. Ici, ça n'a, quand dans le monde on parle d'alliance, ça n'a rien à voir avec le tsemakium, c'est-à-dire la vitalité de l'homme, c'est-à-dire l'existence de l'homme. On ne parle pas de Aetzem Akiyum. Ici, nous, quand on parle de Brit, c'est ça le Ramban. On donne sa vie pour Kiddush Hashem, c'est ça ce que ça veut dire Korte Berit. Je suis prêt à donner ma vie pour Hashem, ou bien par exemple, on est avec sa femme, je suis prêt à donner ma vie pour elle. Achidbur nimtsa beshorche haberia. Le lien qui va lier deux personnes qui sont vraiment babrites, et pas dans une alliance, dans le sens commun du terme, mais « Achibur nimtsa beshorshe abria, shel kol chelke mimarkive abrit ». C'est quelque chose qui a à voir avec « on est lié complètement, ma vie est liée ».« Brit mechayevet mesirut nefesh », voilà. Ça, c'est l'idée force, c'est-à-dire que le brit, elle, oblige une messirut nefesh. Si je ne suis pas capable de donner ma vie pour l'autre, ça ne s'appelle pas vraiment un brit. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Pirouche, aetsem metsiuta shel messirut nefesh, ikiyum abrit be'atzma. Le fait d'être prêt à donner ma vie pour l'autre, c'est ça la réalisation de ce qu'on appelle une alliance. Abrit inyana, aetsem akiyum sheli, kashur bebrit, hazot, ça veut dire mon existence est liée à ce brit. Mishunkar, ani chayav la tête et nafshi kedesh lole afer et beritazot. Donc je suis obligé de donner ma vie pour cette alliance. Pourquoi? En likiyum acher chutz mikiyum abritazot. Je n'ai pas d'existence en dehors de cette alliance. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire ici? C'est-à-dire, si on parle de brit, c'est que je ne peux pas, vis-à-vis de ma femme par exemple, je ne peux pas, voilà, je suis prêt à etsem akiyum mechubar leota berit. C'est l'existence, mon existence même qui est liée à cette alliance. A kesher ou kesher shel etsem akiyum, etsem hayot. C'est, etsem hayot, ça veut dire c'est l'essentiel même de l'être. C'est pour ça que berit, maintenant, on comprend ce que ça veut dire que Berit, c'est Beria, d'après le Ramban. Ça veut dire qu'il avait de mon existence. C'est dans la Lashon HaKodesh, le mot Brit est lié au Bara. Et ça veut dire que quand je fais une alliance, ce n'est pas que je m'associe pour partager les frais d'un cabinet. Non, ça n'a rien à voir. C'est que je donne ma vie pour l'autre. Alors, si c'est comme ça, est-ce que c'est clair cette notion de brite? Parce que, je vous dis franchement, j'ai eu du mal, souvent le Rav Shapira, il répète, il parle de ça, j'ai eu du mal à comprendre cette notion. Hein. À chaque fois, il rapporte ce Ramban, à chaque fois, il dit briat, alors je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Brite, briat, c'est un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots. C'est que si tu veux vraiment... Il y a des autres alliances dans le monde, bien sûr, mais on ne parle pas de ça.
On parle lorsque, pas de... Oui. Dis-moi. Oui. Yves, oui. Dis-moi, ça c'est avec des... Mais tu dirais alors la même chose, je suis là ou de la brique du Shabbat. Ot-il... Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir la notion du Shabbat ou je ne pourrais pas inscrire sur ma chair le hôte de la brique Mila. Tu dirais la même chose. Exactement. C'est justement, regarde si tu permets, oui. Il va dire que, même plus, c'est le God de Vina, il va dire que Zéa Remes Bamila Berit. Berit, c'est la gématria de 612, bizarrement. Il oui. en manque une. Chez Kol Mitzvah ou Mitzvah, Kolel et Betora et Kol Atariag Mitzvot Yahad. Il va même plus loin que ce que tu dis. C'est que pas seulement dans Shabbat qui s'appelle Brit, pas seulement dans Brit Mila qui s'appelle Brit, mais dans chaque Mitzvah, c'est une expression d'un Brit. Donc, elle qui est une, elle contient les 612 autres. C'est-à-dire que... Sauf que dans les autres mitzvot, je ne donnerai pas... J'entends pas bien, il y a un mauvais connexion. Sauf que dans les mitzvot classiques, entre guillemets, je ne donne pas ma vie. Ben si, quand même. J'ai vu ça, j'ai fait la sugya pendant ce Shavuot là. Et ben dans certains cas, si c'est Beshat Hashmad, à fil ou à même pour un petit lacet de chaussures, ouais. une habitude à Minag, je donne ma vie pour un... Rabbi Akiba, on pose la question, comment ça se fait qu'il a donné sa vie sur le Limud HaTorah? Depuis quand c'est pas une des mitzvot? Le Maharsha pose la question. Pourquoi il a donné sa vie pour le... Ça fait pas partie des trois mitzvot pour lesquels on donne sa vie. Mm-hmm. Et lui, il est mort, pourquoi? Parce qu'il a étudié en public. Mais c'était pas permis. Comme ça, le Maharsha, il dit. Il répond que Beshat Hashmad. Ou bien même si ce n'est pas Beshat Hashmad, si c'est une personne qui prend même en temps de paix, Hasbe Shalom, si quelqu'un prend une personne et il l'oblige à transgresser une des mitzvot, et si c'est Barabim, toutes les mitzvot, on est obligé de donner sa vie pour ça. Donc, ça veut dire que. Et c'est là qu'il vient petit à petit dire que l'alliance, c'est quelque chose qui est un prérequis de toutes les autres mitzvot. Il y a ce qu'on appelle la notion de brit. C'est pour ça que le matin de Torah, ça s'appelle brit. Ça s'appelle brit. Et vous comprendrez bien que c'est un petit peu le début de la réponse pourquoi la Torah elle a été donnée en bloc. D'abord, elle a été donnée en bloc. Ensuite, elle a été donnée en détail. Parce qu'il y a une dimension qui est antérieure à toute l'explication de toutes les mitzvot, c'est la notion de brit. C'est-à-dire que tu n'oublies pas que les mitzvot, ce n'est pas « fais ci, ne fais pas ça, fais ci, ne fais pas ça ». On oublie finalement que, à force de faire des choses et des choses et des choses et ne pas faire des choses, on oublie le principal, c'est qu'on est des bénébérites. On est des bénébérites entre Hachem et nous. C'est ça un petit peu le prochain texte. Le prochain texte, c'est « L'alliance ne se conclut pas avec un particulier ». C'est un texte dans le Maharal de Prague. C'est, je vous le lis, « Tiferet Israël, Perek Yudzaïn ». Il pose la question, le Maharal, pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Avraham? C'était un très grand tzaddik. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et il répond comme ça, dans le Perek Yudzaïn. Ve'er yiyye nitan aseder atemidi asher en shinuilo le Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comment tu peux envisager donner la Torah qui s'appelle le Seder Atmidi? Il appelle ça le Seder Atmidi, c'est-à-dire l'ordre du monde éternel. C'est la manière dont Hachem a envisagé le monde. Il a regardé la Torah et il a envisagé que c'était comme ça qu'il fallait que le monde se déroule. Asheren Shinui, il n'y a pas de changement dans ce texte. Il ne peut pas y avoir de changement dans ce texte.
comment tu veux qu'il soit donné à Avraham, Israël, Yaakov, à des particuliers, qui bémachem peratiyim, parce que dans le fait qu'ils sont des êtres particuliers, veaprat yeshlo shinui, automatiquement, un particulier, il change. Kika asher met Avraham, enkan Avraham. Le Maharal dit, parce que quand Avraham est mort, eh ben il n'y a plus Avraham. Vechen Israël, quand il n'y a plus, quand il y a Yitzhak est parti, il n'y a plus Yitzhak. Vechen Yaakov, ve en raou ilahem darke Hashem asher en shayar shinui bahem klal. Donc il ne peut pas, la Torah d'Hashem, qui s'appelle darke Hashem, le chemin d'Hashem, comment Hashem, la pensée d'Hashem, elle ne peut pas être dépendante d'un shinui. Donc elle ne peut pas être donnée, elle ne peut pas être donnée par un homme, parce qu'un homme, il change. Alors à qui? Et il le dit dans le Derech HaChaim de manière claire, Velo nitena a Torah el a Yahid. Il dit clairement, la Torah n'est pas donnée à un Yahid. Pourquoi? Parce que si tu donnes un klal Israël, alors chacun est arevim zébasé. On sait très bien que dès qu'on déborde, on dit, ah, tu es plus dans la Torah, là. Il y a les religieux qui sont les religieux, les moins religieux. Et, si tu ne peux pas aller à droite, à gauche, parce que tu te fais descendre tout de suite. Donc, si c'est un klal, il y aura toujours des gens qui seront on va dire, des garants de la Torah. Il y a même des gens qui seront trop garants. Il y en a qui seront, ils vont prendre cette mitzvah et puis ils vont s'en servir pour descendre tout le monde. Ça, c'est les débordements, on va dire. C'est le mauvais côté de la chose. Mais il y a un bon côté de la chose. C'est que la Torah peut traverser les générations. Elle ne peut pas traverser les générations si c'était donné à Avraham. Parce que son fils, Yitzhak, lui, il est différent. Il est différent de son père. Et s'il est différent, il va l'exprimer différemment. Vous comprenez? Ça, c'est le Maharal. Alors, Mahou Haofen, comment comprendre ce Maharal? Je vous dis, c'est un morceau de Rav Shapira. Mahou Haofen, Shenu Nirnas Toubivri. Comment nous, on va rentrer dans le Brit? Parce que avant, on a parlé de la manière dont Hachem est rentré dans le Brit, si on peut dire. Disons déjà, c'est un chidouche que le Matan Torah, ça s'appelle un Brit. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'assomme. On te dit, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est vrai. Mais à part ça, c'est une brite, une alliance entre deux personnes qui sont liées. Et donc, là, on a dit que Hachem, lui, pour entrer dans le brite, il a fallu qu'il donne tout d'un coup. On va voir qu'est-ce que ça veut dire encore. Il va tout donner d'un coup, les 10 paroles en un coup. Ça, c'est sa manière à lui. Maintenant, nous, comment on va rentrer? Echanou mistarafim les brites. Zeme Fursa Meod, Zekato Bezmirot Shabbat, ça c'est marqué dans le Zmirot Shabbat, Aval Zeme Fursa Mioter, Ubaou Khulam, Livrit Yachat, Naase Venishma, Amrou Kechat. Donc, ils sont rentrés dans le Brit. Yachad, il fallait Yachad, c'est la notion du Maharal. Il faut qu'on soit tous ensemble, sinon on ne peut pas mériter cette Torah qui a 600 000 facettes. Et donc, ils ont dit « Naase v'nishma abru k'echad »« Lo nichret et berit aim yachid » Donc là, il le dit clairement, c'est le Maharal. Le brit ne peut pas être donné à une personne yachid ou prat. « Haberia tamid imetziut shekolelet et kol haberia kula » La création, elle va inclure la création entière. Donc, il faut que ça touche tout le monde, ce n'est pas quelques-uns. Brit ze davar shechayev liot shayar lechol abriyakula. Donc ça va concerner la création entière. Abrit aim noir. Et il va dire que effectivement Hachem a fait un brit avec Noir, avec Avraham, avec Yitzhak. Même s'il leur a pas donné la Torah, il a fait un brit. Un brit avec Yaakov, avec Moshe, avec David, avec Ze mishum shekol echad vechad mehem ze adam shenoseh betocho et kol haolam kulo. Là, il donne une,
toujours dans sa même idée du brit, Hachem ne fait pas de brit avec n'importe qui. Parce que qui dit brit, dit Hachem qui a créé le monde, qui est le bourré, qui est le créateur, il se lie avec quelqu'un qui doit avoir une envergure de la bria entière, c'est-à-dire de la création entière. Donc Noach, on le comprend. Pourquoi ? Parce que Noach, c'était le tzaddik de la génération. On comprend qu'il fasse un brit avec lui, puisque c'était lui, on va dire, qui est, c'est grâce à lui que le monde a continué à marcher. Donc, c'est ça la notion de brit. Avraham aussi, il y a marqué dans la Gemara que Behi Bariam, Be Avraham, c'est les mêmes lettres que Hachem a créé le monde. C'est comme si on aurait dit, le Midrash, il dit que c'est pour Avraham. Il a donné sens au monde. C'est-à-dire qu'avant Avraham, c'était le Tohu Vavohu. D'ailleurs, la Gemara a dit que pendant 2000 ans, c'était Tohu Vavohu jusqu'à ce que naisse Avraham qui était né en l'an 2000. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est lui qui a donné sens au monde. Donc, il avait une envergure, c'est ce qu'il appelle « Nose betoro et kol haolam kulo ». Il porte en lui le monde entier. Parce qu'Hachem, sinon, ne peut pas faire une alliance avec lui. Il ne peut pas faire une alliance avec quelqu'un qui est petit, puisqu'on a dit que la notion de brit, c'est lié à la notion de beria. Ça veut dire que c'est une nouvelle manière de voir le monde qu'Hachem il a créé. Donc on ne peut pas envisager une brit entre Hachem et quelqu'un qui est prati, qui est particulier. C'est le même mot d'ailleurs en français, particulier. Donc on va dire, il faut que ça soit des gens comme Avraham Avinu. Il a amené cette midah de chesed. Il va falloir qu'il fasse une brit avec Yitzhak qui a amené la midah de rigueur. Chacun, il a apporté quelque chose de nouveau. C'était des géants dans leur qualité. Yaakov, c'est dans le Emet, dans la vérité, etc. Moshe aussi, c'est quelqu'un, sans lui, la Torah, elle ne pourrait pas être donnée, puisqu'on était tous morts. Au bout de deux paroles, la troisième parole, on ne pouvait plus... Donc, s'il n'y avait pas Moshe, c'est lui qui a sauvé la face du monde, finalement. David aussi, il va falloir comprendre quelle était sa particularité. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, la notion de Brit, on voit que c'est quelque chose qui est... Mais pourquoi si on doit aller du côté de la promenade qu'on a fait là, le jusqu'à... Ah, mais si on veut... Voilà. Donc, ça veut dire que si on est en train de dire que... on voit que la notion de Brit, ce n'est pas une petite notion d'alliance. C'est quelque chose qui va changer la face du monde, la bria. Ça, c'est l'idée qu'on a vue dans... Donc, dans la notion de brit. Et, alors là, je sais que ça va peut-être vous choquer, mais c'est un texte que je n'oserais pas dire si je n'avais pas entendu ça de Rav Moshe Shapira. Il ramène au nom d'Nefesh HaChaim. Parce que, avant de vous donner ce texte, regardez ce qu'il dit. C'est qu'on est en train de dire qu'il y a une notion de brit, d'accord ? C'est qu'au matin de Torah, on découvre qu'il n'y a pas... C'est pas seulement un... Hachem, qui écrase les gens comme on le connaît bien, cette Gemara, que Kafale a marqué Gigit, il a écrasé, il a remis la montagne au-dessus de leur tête, et si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, ça vous allez mourir. Ça, c'est vrai. Le Maharal va dire que là-bas, c'était une notion de pour faire comprendre au Bnei Israël que c'est quelque chose d'obligatoire. La Torah, c'est quelque chose qui s'impose, mais ce n'est pas pour menacer. L'idée, ce n'est pas de menacer, mais l'idée, c'est de faire comprendre que la Torah n'a pas besoin de toi pour exister. C'est pour ça que le Maharal dit que la mitzvah de croire en Dieu, c'est Anochi Hashem Elokecha. Ce n'est pas marqué « crois en Dieu ». Maharal pose la question, pourquoi il n'y a pas marqué « tu dois croire en Dieu » Parce que Anochi, c'est la mitzvah de croire en Dieu. Pourquoi c'est marqué bizarrement? Tu n'as qu'à dire « crois en Dieu » comme il y a marqué « respecte ton père et ta mère ». Le Maharal y répond, parce que ça ne dépend pas de ton bon vouloir. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'est fait. C'est une réalité. Je n'ai pas besoin que tu dises oui ou non. C'est quelque chose qui s'impose. Donc ça, c'est une idée qu'on connaît, que la Torah, elle s'impose. Mais là, j'ai découvert une nouvelle idée, c'est la notion de Brit. Brit, ça veut dire qu'il y a deux alliés, si on peut dire.
Il y a une association, une liaison entre l'Ibn Israël et Hachem. Et c'est là que je vous donne ce texte qui est vraiment incroyable. C'est le Nefesh HaChaim qui dit que Echad Emea Kinouim Shel HaShechina Ze Knesset Israël. Je l'ai vérifié ce matin. C'est écrit. C'est Klal Israël. C'est pas Knesset. C'est Rav Shapira qui le dit. J'ai vérifié. Là-bas, c'est marqué. C'est la Shechina, c'est quoi? C'est la présence d'Hachem dans le monde. Hachem, il est Shochen, Veshachanti, Betocham. Ça veut dire que quand Hachem, il a créé, il a demandé de faire la misva de fabriquer un Mishkan, et ben c'est pour que Veshachanti, Betocham, pour que je réside en vous. Et ben il lui dit que Rav Shapira, il dit, ça ne me choque pas de dire que la Shekhina, c'est le peuple juif, parce que c'est les Bnei Israël qui font que la parole d'Hachem, elle existe dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait ce challenge incroyable, c'est de dire que sa parole, sa pensée, qui s'appelle la Torah, c'est ça les Shnei Reshit, Bereshit. Hachem a créé Bereshit, deux choses qui s'appellent les fondements du monde, c'est la Torah et les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que nous sommes les réalisateurs de la pensée d'Hachem. Il y a deux choses, c'est la pensée d'Hachem qui est la Torah, et nous sommes les réalisateurs. Donc, il n'y a qu'un pas de dire que la Shekhina d'Hachem, eh ben c'est le peuple juif. Je ne sais pas si ça... Moi, franchement, ça, c'est un peu choquant même. Hein. C'est... Nahon, c'est... comme ça il dit Rav Shapira, il dit mais c'est Zemouvan, on peut comprendre. On peut comprendre parce que c'est par nous que des fois les gens connaissent Dieu par nous. Des fois il y a des gens qui nous demandent alors qu'est-ce qui a marqué dans votre Torah, et puis on se rend compte qu'on est des envoyés de si on peut dire. D'accord? Et dans l'autre sens, il y a un autre texte qui est incroyable. C'est dans le Shir HaShirim Rabba. Vous connaissez, c'est dans Shir HaShirim, il y a marqué « Ani Yeshena Velibiaer ». Je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. Alors, là-bas, il y a marqué, vous savez, j'ai pas dit le début du Midrash. Il y a marqué comme ça. Je suis endormi, je ne fais pas beaucoup des mitzvot, mais j'ai envie de les faire. Le Midrash dit, tu sais Hachem, moi, je suis endormi au niveau de la tzedaka, mais j'ai vraiment, mon cœur, il est réveillé. J'ai envie de les faire. Je suis endormi au niveau de la Geoula, voilà. Ani yeshena mina Geoula, veli bo shel akadosh baruchu aer le gaoleni. Je suis endormi au niveau de la Geoula, ça veut dire je désespère de la venue du Mashiach, de la délivrance, mais je sais qu'il y a mon libo. C'est qui mon libo? C'est Akadosh Baruch Hu qui est réveillé pour me délivrer. Amar Rabbi Ria, Baraba, Echad Matzinu Shinikra Akadosh Baruch Hu Liban Shel Israël. Ah, mais c'est osé. Il y a marqué que d'où sait-on que Hachem s'appelle le cœur des Juifs? Min Hadenkra. De ce pasouk dans Tehilim, sur les vavis, Hachem, il s'appelle le rocher de mon cœur et la partie Relki Elokim Lerolam. Relki, c'est ma part. C'est ma part pour toujours. Donc, je l'ai traduit en français. Je dors, mais mon cœur est éveillé. Je dors au sujet de la délivrance, mais le cœur d'Hachem est éveillé pour me délivrer. Où trouvons-nous qu'Hachem est appelé le cœur d'Israël? C'est marqué dans Hachem sera toujours toujours le rocher de mon cœur et ma part. Donc ici, il y a deux textes qui sont incroyables. C'est que la Shekhina, ça veut dire la Shekhina, la présence d'Hachem, c'est quelque part le peuple juif, c'est nous. Et il y a une part de nous, c'est Hachem, si on peut dire, et une part d'Hachem, eh ben, c'est dans mon cœur. Donc c'est quoi ça veut dire? Eh bien, c'est ça l'expression du Brit.
c'est au-delà, au-delà des mitzvot que, d'ailleurs c'est pour ça que Shapira il se fait toujours il répète souvent que la mitzvah c'est pas marqué de sivoui, c'est mitzvah, c'est, il y a le metzavé, le metzouvé et la mitzvah, c'est comme la milva. Il y a le lové, le malvé, celui qui prête, celui qui emprunte, et la milva, et l'emprunt. L'emprunt, c'est la totalité des trois. Eh bien, la mitzvah, c'est pas un tzivouï, c'est pas qu'on te dit fais ci et fais ça. C'est être ensemble avec Hachem par l'intermédiaire de cette mitzvah. On le retrouve un peu ici. Ça veut dire que le brit, c'est vraiment, si on peut dire, c'est être ensemble avec Hachem, quoi. C'est ça le brit. C'est pour ça que je vais donner ma vie pour Hachem. C'est pour ça que le Rambam va dire, c'est ça que ça s'appelle Bene Berit. Un Ben Berit, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour l'autre. Est-ce que ça va? Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est des notions, moi, franchement, j'ai... Est-ce que ça veut dire qu'en tant que particulier, en faisant ça, je montre que j'adhère à ce brit? C'est-à-dire? Puisque tu as dit là, le brit ne s'adresse pas à un particulier. Mais il faut que chacun d'entre nous, en tant que particulier, on adhère au brit. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, alors c'est pour ça que ça va répondre à la question de Yom HaKahal. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait posé la question Yom HaKahal, il faut bien sûr que c'est par moi que ça passe, mais c'est par moi pas en tant que particulier. C'est que je fais partie du peuple qui est en brite, en alliance avec Hachem. Je ne peux pas prétendre moi tout seul, mais n'empêche que c'est par moi que ça passe aussi. Moi, je fais partie de Knesset Israël. Moi, je fais partie de ces réalisateurs de la pensée d'Hachem. Et ça, c'est une nouvelle, si on peut dire, c'est quelque chose de neuf pour moi, parce que c'est pas simplement les mitzvot, c'est pas le matin de Torah qui est écrasant. Bien sûr, c'est ça doit s'imposer à toi, bien sûr, on ne parle pas de ça. C'est une notion, mais on ne parle pas souvent de cette idée de brit. C'est-à-dire que l'idée que et ça répond à la question de Yom HaKahal, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où Hachem a rassemblé les Bnei Israël, mais l'appellation de jour de rassemblement où ça va prendre son sens, où le tzibour a été créé, si on peut dire. C'est la notion de tzibour qui a été créée, comme ça il dit là, Shapira. C'est là où le tzibour, la notion de tzibour qui ne peut pas recevoir la Torah s'il n'est pas un tzibour, s'il n'est pas une totalité de 600 000 cerveaux, où tu vas voir l'éclairage de l'un et l'éclairage de l'autre. C'est un tzibour qui va pouvoir transmettre de génération en génération à un autre tzibour cette Torah. Parce que c'est quelque chose qui ne change pas. Et donc ça va passer par un tzibour, ça ne peut pas passer par un yahid. Mais moi, je suis quand même un vecteur de ça, puisque je fais partie de ce tzibour. Donc c'est pour ça que ça, on a répondu à la question. La première question, c'est Yom HaKahal. Ce n'est que dans le Yom Matan Torah que nous pouvons mettre cette appellation de Yom HaKahal. Puisque c'est là où ça s'est réalisé, on va dire, la notion de Tzibour qui va se lier à Hachem. Ouais. Alors, d'accord. Oui, mais vas-y, Michel. Est-ce qu'on peut dire que Matan Torah, c'est le lien direct avec Brit Ben Abetarim, alors? Alors, Brit Ben Abetarim, c'est un Brit qui a été fait avec Abraham. C'est ça, c'est intéressant, tu vois. Il y a plusieurs Brites. Hachem, il a fait des Brites avec Abraham. Il a fait un Brit avec Noah. Mais ce n'est pas le brit à Torah. Il a fait des brites qui sont avec des géants du monde.
Mais il ne peut pas donner la Torah. Ce n'est pas le Brit à Torah. Le Brit de, qui s'est joué dans, dans le matin de Torah. Ce n'est pas ça. Ça, c'est particulier à Yom HaKahal, à Yom HaMatan Torah, à Shavuot. Il y a eu des brites, il y a eu des brites au fur et à mesure des générations. Hachem, il y a marqué plusieurs fois, si vous tapez sur... Eh ben, ça y est, il a fait le brite avec Abraham, avec Noir, avec Yitzhak, avec Yaakov, avec plusieurs. D'accord ? Mais ce n'est pas le brite à Torah. Je pose la question parce qu'au fait, quand même, au moment de brite Ben Avetarim, Abraham demandait un signe comme quoi la promesse serait tenue, c'est-à-dire que les Bnei Israël, etc., etc. Donc il y a un lien quand même quelque part, non? Oui, mais là-bas, il dit quoi? Si on regarde, c'est la bride que, tu sais, ta descendance sera 400 ans en esclavage. Et, ouais. Et voilà. Et, oui. Et c'est intéressant. Est-ce qu'il est là-bas dans le bride Ben Abetarim, est-ce qu'il promet qu'il va y avoir une matin de Torah? Je ne sais pas. Ça peut-être pas, mais en tous les cas, la notion déjà du peuple, puisqu'ils vont sortir en peuple. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas s'il y a la notion de matin de Torah, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais c'est une question que j'ai posée hier, et justement, c'est pour ça que je... Brit Ben Abetarim, il faudrait que je voie. C'est dans la paracha de Tetva, peut-être Zahim. Tetva, voilà. Il y a marqué, voilà. Et il lui dit, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère. Je vous la lis, hein. Et elle leur sera asservie, et il l'opprimera. Ils l'opprimeront durant 400 ans. Mais à son tour, la nation qu'ils serviront sera jugée par moi. Et puis, ils la quitteront avec d'immenses richesses. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et pour toi, tu rejoindras paisiblement tes pères, et tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Mais la quatrième génération reviendra ici. Parce qu'alors seulement la perversité de l'Amoréen sera complète. Cependant, le soleil se... Dites-moi, il n'y a pas marqué le matin de Torah. Il y a marqué qu'on va sortir d'Égypte. Ouais. Je ne sais pas. Rav Smigard, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà marqué dans le Brit à Ben Abetarim le matin de Torah? Il n'y a pas, hein, d'accord? Il n'y a pas. Donc, ça confirme que Hachem ne parle pas de Brit, de Torah. Il parle de Brit, qu'il ne détruirait pas le monde avec Noir. Il parle de Brit, qu'il va y avoir un peuple qui va sortir d'Égypte. D'accord ? Mais la notion d'une Brit qui va donner sens au projet d'Hachem, qui s'appelle la Torah, ça, c'est qu'avec la naissance du peuple juif et l'arrivée au Har Sinaï. C'est ça l'événement. D'accord ? Alors ça, on a répondu donc la notion de jour du jugement, jour du rassemblement. Alors, à la question, mais à qui il parle ? Vous vous rappelez, on a posé la question. À quoi ça sert de parler des paroles ? À quoi ça sert de parler une parole qui finalement n'est pas entendu par quelqu'un. À qui il a parlé, Hachem? Alors, vous devinerez qu'est-ce que Rav Shapira répond. Vous savez qu'est-ce qu'il répond? À quoi ça sert de parler ça? Ce n'est pas un langage d'humain. Comment c'est marqué dans le Rashi? Mashéi Efchar la Adam Lomarken, ça c'est Rashi, et le Sifri ramène ce que l'oreille ne peut pas entendre. Donc, alors, à qui ça parle? À qui il parle? Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il parle à Knesset Israël. Il parle ce qu'on a vu dans le Nefesh HaChayim. À l'entité qu'on appelle l'entité juive qui est éternelle. Qui est éternelle. Ça veut dire que le peuple juif, de la manière que Bereshit, il y a une Torah qui s'appelle Reshit, c'est la pensée d'Hachem et le peuple juif qui sont, c'est l'entité qui est qu'on va faire perdurer cette Torah, on va faire connaître cette Torah, et bien c'est
c'est à cette dimension que Hachem a parlé. Ça m'intéresse. Disons, moi, je ne comprends pas ce langage. Mais au moins, ça a le mérite de répondre à la question. C'est que, à quoi ça sert si je ne comprends pas? Mais parce qu'il y a au-delà de ma personne, il y a la notion de Knesset Israël qui me dépasse et dont je ne sais pas parler le langage. Donc au-delà de ma personne, Hachem, il a voulu d'abord, avant de dire à Anori, etc., de parler aux hommes, il a voulu parler à Knesset Israël. C'est-à-dire que, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Oui, parce que nous, les hommes, on faute. Mais Knesset Israël, c'est le concept d'un peuple qui est parfait. Et Hachem, il veut parler à ce concept, si on peut dire, pour dire, voilà comment je voudrais que le monde soit. Et ça passe avant le détail, parce que si tu parles des détails à des hommes, tu vas oublier que c'est un brit. Ce brit, il ne faut pas oublier que c'est une alliance entre vous et moi. Sinon, vous allez tous penser que je vous écrase sans arrêt. Ah, puis les enfants, ils disent, ah, vous savez, papa, il y en a marre, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Et ça, on ne doit pas faire ci, et puis deux jours et trois jours de fête. Vous savez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est si on peut répondre, je ne sais pas si on peut le dire à des adolescents, mais en tout cas, c'est-à-dire, tu peux envisager un autre discours, tu peux dire, tu sais quoi, on est des partenaires, si on peut dire, entre guillemets. On est des alliés, on est des bénébérites. Mon cœur, c'est Hachem. Et la Shrina, c'est par toi, tu sais, mon fils, c'est par toi que ça passe. Ah, donc je ne suis plus un petit vermisseau qui obéit à la volonté d'Hachem. Si, bien sûr, peut-être aussi, mais en même temps, il y a cette dimension qui me dépasse. Mais qui me porte peut-être et qu'on oublie de dire finalement. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est cette notion de Knesset Israël qui est liée à Hachem, c'est-à-dire qui, et donc on gagne le fait que c'est pas qu'il se lie à un homme. Parce qu'un homme est trop petit pour être à la hauteur de la pensée d'Hachem. Alors, il faut qu'on soit 600 000. À ce moment-là, ça serait ça le Rashi. Le Rashi qui dit, voilà, il a tout dit en une fois. Toutes ces paroles-là, ceci nous apprend qu'Hachem a dit les 10 paroles en une seule parole, ce qui n'est pas... Voilà, donc ça répond, je ne sais pas si ça répond. Hein. Rav Smirgal, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas, c'est difficile, hein. Il dit que ça a l'air de répondre. Ça a l'air de répondre à cette question. Disons, ça a le mérite quand même d'envisager quelque chose, parce que moi j'avais toujours cette question sur le Rashi. À quoi ça sert qu'il parle tout en bloc? C'est-à-dire que tu dis que en tant que particulier, Claude Spinga n'entend pas la parole, mais en tant que particulier qui fait partie d'une collectivité, il y a un au-delà à ma compréhension personnelle. Et ça, la Knesset Israël, elle comprendrait la parole d'Hachem. Exactement. Le duc. Et moi, je fais partie de ce concept-là. Et c'est ça qui me rehausse, parce qu'on oublie ça, on oublie de ce côté-là. Oui. Parce qu'on parle souvent que je suis un petit vermisseau. Bien sûr, je sais que je suis un petit vermisseau. Et que le monde peut se passer de moi, bien sûr. Je sais très bien. Mais on oublie de dire l'autre côté. L'autre côté, ça serait de dire que il y a... Ce serait de dire que je fais partie d'un projet. Je prends juste la... Il y a la...
comment s'appelle la prise. On entend moins bien, Yves. Hein. Donc, ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui. Ça, disons que ça. C'est à ça que ça répond, quoi. Razak. Et la dernière point, alors, pour répondre à la dernière question, c'était quoi la dernière question? Oui, le matin de Torah. Le matin de Torah, pourquoi c'est en même temps que la paracha du conte au départ? Vous vous rappelez, on avait dit « Usfartem lachem yomachot ha-shabbat v'ikratem ». D'accord. Pourquoi c'est le conte du Homer? Razak. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. On lui a coupé le sifflet ou quoi? Pardon? On lui a coupé le sifflet? J'espère que non, parce que c'était tellement beau. Bon. Il est tellement séduit parce que l'unification de ses paroles qu'il en est lui-même bouche bée. Ah bah oui, hein. Il est convaincu, c'est bien. Ah, toujours. Yves est toujours convaincu. Toujours magnifique, c'est sûr. Ouais. C'est lui qui donnera Shiur tous les dimanches matin. Excusez-moi. Ah, c'est Yves qui me téléphone. Oui, Yves. Oh. Ah, il se reconnaît dans 2 minutes. Tu vois, on se moquait de toi. On disait que toi-même, tu vivais tellement ce que tu disais que tu es bouche bée de la profondeur de ce qui est en train d'être dit. Bon, tu te voilà au moins pour conclure, hein, si tu veux, hein, et nous donner rendez-vous à dimanche prochain. Et moi, je vais après au bureau. Hein. D'accord? Allez, hein, si tu veux juste conclure, moi, je vais partir. Hein. Allez, à tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Hein. Et si tu veux redonner le voilà. Mais messieurs, dames, moi je dois partir, lui il se reconnecte, mais je vous donne aussi rendez-vous, je me permets de vous donner rendez-vous ce soir à 18h pour les Tehilim, suivi d'un chiour de Ravitar. Donc entre 18h15 et 19h. Razak. Chaque soir, il y aura toujours un invité, jusqu'à fin juin. D'accord. Voilà. Je vous demande qu'on soit ensemble parce que pour nos malades, pour leurs proches, parce que je pense que les proches doivent absolument savoir qu'on est derrière eux. Ah oui. Et pour nous-mêmes, la Knesset Israël, on vient d'avoir vraiment cette illustration par ce qui a été dit par M. Yves Dorel. Voilà. Et chaque matin, donc à 10h, je ne sais plus ce qu'il y a, enfin, on a la liste et chacun donne un chiour. Après, ce sera les collègues et moi, je donnerai un chiour sur la Tfila Blineder le jeudi matin. Donc le soir, c'est 18h15. Non, 18h les Tehilim. Ah, très bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On a gardé volontairement le même. Il faut absolument conserver ça parce que on ne va pas maintenant se défaire de ça parce qu'on sait que, etc. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a gardé les mêmes horaires. Très bien. On a gardé les mêmes horaires. Et même pour ceux qui retournent au travail, disons, qu'ils sachent que sans casser leur soirée, mais qu'il y a ce rock velo yavor, il doit y avoir ce rendez-vous-là entre nous. Très, très bien. Voilà. Il y a Yves qui va essayer de se reconnecter pour vous dire au revoir et moi, bien. Je vous laisse. Hein. Juste une question, Rabbi, juste une question. J'ai cru comprendre qu'on reprend au Merkaz mardi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, à quelle heure? Un à 7h le matin et l'autre à 8h. Mmh. Un qui est beaucoup plus rapide et l'autre plus lent. Et le soir, je pense que c'est à 19h30, mais ça, il va y avoir une affiche. Hein. Très bien. Merci. Voilà. Très bien. Allez, Shavua Tov et je crois que ce retour vote. Qui fait cours demain?
Écoute, j'ai la liste, je ne sais plus. Je ne sais plus parce que chacun des collègues a pris un jour. Je sais qu'il y aura le rabbin Samama, il y aura le rabbin Cohen, il y aura... voilà. Et chacun le fera à jour régulier sur un même thème. Voilà. Mais on travaillera sur la fin. Et aujourd'hui, ce n'était pas possible. Allez, j'espère que Yves arrive à vous rejoindre. Merci. Bonne journée, Shavua. Bonne journée à tous. Bon, alors lui. Monsieur Selam, faites-nous un cours en attendant. Désolé, mais je suis vraiment désolé. C'est beaucoup d'honneur pour voilà. Mais voilà, notre ami Yves est de retour. Donc, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai ma batterie qui était voilà, qui était complètement déchargée. Donc pour terminer, je m'excuse. Hein. Excusez-moi. Donc pour terminer, le dernier point, c'était le fait que le matin de Torah soit lié au que le conte du Homer soit lié au matin de Torah. D'accord. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le conte de chacun. C'est-à-dire qu'il faut la participation de chacun. Encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, en tant que Ben Berit, il ne peut pas y avoir de matin de Torah si tu n'es pas toi-même en train de compter, de participer à ça. Hein? C'est l'idée de la... c'est pas il n'y a pas une date fixe, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu la même idée qui se retrouve dans le fait que c'est toi qui vas créer, si on peut dire, cette fête, pas entre guillemets, parce que par ton compte. Donc, ça, c'est pour ça que ça répond à notre question, pourquoi le conte du Homer est dans la même paracha que le matin de Torah. Voilà quoi. Bon, j'espère que c'était assez clair. Merci beaucoup. Voilà, donc peut-être à la semaine prochaine, on va essayer de garder ce créneau. Hein. Amen. Voilà. Chazak, bravo. Si vous avez des questions, maintenant je ne sais pas. Hein. Il y a toujours des questions. C'est très bien. Voilà. Il y a toujours des questions. Ouais. Non, mais c'est une nouvelle manière de voir le matin de Torah, quoi. C'est l'idée de l'alliance, quoi. C'est l'idée de c'est pas le côté d'être écrasé. Le fait du nolad, comme tu as marqué là, dans Shabbat Shalom, je l'avais entendu la veille dans un cours sur Akadem. Ah oui? Par rapport à la date de Shavuot qui n'est pas inscrite parce qu'elle dépendait du Nolad. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment, c'était la première fois que j'entendais ça. Qu'il n'y a pas de date, quoi. Que le fait une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de date, c'est qu'à l'époque, on regardait et on ne déterminait le nombre de jours du mois que par le soleil, que par la lune, pardon. Exactement. Ça veut dire que c'est vraiment la fête qu'on doit produire, on est partie prenante, si on peut dire. C'est ça. C'est la même idée, quoi. Et malgré tout, quelque part, elle est donnée par Hachem, puisque c'est Hachem qui détermine la marche des astres. Donc, bien sûr. Mais c'est nous qui comptons. Voilà. C'est nous qui comptons. Il n'y a que le 50 qui est quelque chose de fixe, quoi. Après, voilà. Le reste, ça dépend de la nature. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, Shavua Tov. Merci, Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Good work. Une bonne santé à tous. Toi aussi. Merci, de même. Salut Joël. Salut, salut. Salut à tous. Le coiffeur est passé par là. Eh oui. On va bientôt y aller, on va bientôt y aller. Ok. Merci. Pas le tout.